Mais en fait, travailler avec lui, c'était rencontrer un être humain complètement à part. C'était un... Comment expliquer? J'avais l'impression d'être dans un monde inventé, quoi. Mais parce qu'on travaillait en studio, que les décors étaient peints par Jacques Saunier, qui est plus là non plus, que tout était beau, que j'étais entourée de Sabine Azéma, d'André, de tous ces acteurs qui ont fait des dizaines de films avec lui. On avait l'impression qu'ils faisaient leur premier film avec lui. J'ai jamais vu ça de ma vie, je vous jure. André Dussollier devant Alain Resnais, il a fait 10 films avec lui. Il lui parlait comme si il le connaissait pas. Oui, bonjour Alain, vous. Peut-être, je sais pas, vous me dites, je sais pas, peut-être des trucs. Il y avait une espèce de truc, mais je disais à André, mais tu le connais, vous avez dîné ensemble, vous. Oui, mais attends, laisse-moi faire, c'est ma relation avec lui, j'étais sidérée. Moi, je le prenais dans mes bras, j'avais une attirance pour lui immédiate. C'est comme un petit être qui avait 16 ans dans la tête et effectivement presque 100 dans le corps, quoi.